And look me this view. Tranquille ou quoi, ça se passe. Toi t'as une vraie dégaine de randonneur mec hein. Qu'est-ce que tu nous fais là Thibaut? Des pâtes au curry. When you see them in the nature, it's not the same. Ah putain, je voulais te faire une surprise. Les retrouvailles. Ça va ou quoi? Bah ouais, tranquille ou quoi? Ça se passe? Bien et toi? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, carrément. Moi, ça va répartir dans les sacs. Ok. Bon, on est sûr. C'est un carton le truc. Bon ben, c'est parti pour l'aventure déjà, on n'est pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Au gravier, tu veux dire? Mais par rapport aux petits fjords là, t'as des petits fjords à passer là, des petits trous d'eau. Ça va être le bordel. Enfin, hey, ouais, ça y est. Putain, ouais, après un périple de je sais pas combien d'heures pour Rial. Depuis 8h du mat. Il faut aller jusqu'à la hutte aussi. Vu que la cascade Sunup c'est la plus belle, pourquoi est-ce qu'on la laisserait pas pour après-demain? Ouais, on peut la laisser pour après-demain. Ouais. Comme ça, là, on se tape les trucs. Et la French Ridge, elle a l'air cool aussi. Hein. En gros, l'aventure, elle commence là. C'est parti. Ouais. C'est parti, ouais. Donc voilà, là on est en pleine préparation. We are trying to get ready for the hike. We are already very late, but we do our best. So we try to divide the food and the tent and the sleeping bag, everything. On essaye de diviser les affaires pour que ce soit qu'on soit plus léger et plus efficace. Après on n'est pas obligé de prendre tout ça quand on est à jour. Voilà, je crois qu'on est on est go hein. Ouais, on est pas mal là. Ouais. On se tape une petite clémentine avant de partir. Et puis après deux mois, il a enfin sorti son nouveau téléphone. Hop. Ah, bah, le gadget. Il est trop marrant ton téléphone. Ouais, il est pas bien. Bon, c'est pas le Note 10 Plus mais ça va. Ouais. Bon là, on est parti pour la rando avec le nouveau téléphone de Thibaut. Ouais. Voilà. C'est essentiel ça. C'est... Après deux mois, après deux mois, il a enfin sorti. Pour Tinder ça. Putain mais c'est déjà beau mec, on a même pas commencé la rando, regardez les paysages. Ça se dégage un peu et... Ah, t'as une vraie dégaine de randonneur mec hein. Ah ouais. Avec ton... T'es un expert hein, presque. Je te jure, non mais sérieux hein. Avec ton short beige. Ouais ouais. Chez qui de randonneur qui vient de passer deux semaines à se mettre des cuites sur une Ah ouais. Let's go, c'est parti. T'as bien fermé la voiture? Ouais. Ah les petits moutons là qui sortent de nulle part, c'est trop stylé. Ouais c'est vraiment ouf. Je me demandais de comparer. Putain, tu me disais non mais cascade saddle c'est un truc de ouf et tout. Moi je te disais ouais mais non mais t'as vu Personne en parle. Déjà il y a Milford Sound, c'est un truc de ouf, on a qu'un Queenstown. Ouais. J'avoue là on a même pas commencé la rando, t'en prends déjà plein la vue. Ouais c'est clair hein. Ah c'est un truc de ouf. L'eau elle est quand même belle hein. Ouais, franchement l'eau elle est. Il n'y a pas de soleil ou quoi. Et elle est vraiment belle hein. Ouais ils sont comme ça en fait dans la ferme dans laquelle j'étais. Voilà, we can see a Kia here in front of us. Wow. He's not scared, huh? No, not too much. Amazing. You know, when you see them in the nature, it's not the same. Quand on les voit dans la nature, c'est pas pareil, hein. Que dans les parcs. T'es, il a pas peur, hein? Bah là, il a pas peur, ça. Si tu lui donnes à manger, il va venir manger dans ta main. Ouais. Toi, tu peux passer. Ah ouais. Tu sais que là, quand on était en haut du Ben Lomond. Ouais. Il y a une nana là avec qui on était, elle lui a donné à manger une pomme en la tenant dans sa bouche, le gars il a pris de la bouche à la bouche comme ça. Sérieux? Pomme, ouais. Oh putain je l'aurais pas fait moi ça. Ouais. Parce que je peux te dire que s'il se loupe, ah, non, mais ta il bouche. Putain ils sont nombreux quand même. En plus ils nous suivent. Enfin ceux derrière quoi. En fait ils s'avertissent mutuellement quoi. Ouais. T'as vu celui-là, il a une tache noire. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a foutu lui ici?
tu nous ajoutes. Putain, mais c'est quand même bleu en bas. Hein. Ouais. Malgré que... ce soit bientôt la nuit, quoi. Ouais, malgré que ce soit bientôt la nuit. Putain, à cause de nous, ils vont traverser, mec. Ouais. Ils vont se retrouver tout mouillés. Les pauvres, après, ça commence à faire pitié, là. Ouais. Mais il faut qu'on traverse aussi. Ouais. Parfait. Fais gaffe, ça glisse, hein. Enfin arrivé. Il y a un petit feu d'allumé. Ça va, elle est luxueuse un peu là. Ouais. Ouh. Ouais, elle est great. We just come from Rosebury car park. Yeah, we just arrived late. Ah, right. Yeah. Donc voilà, là on est hot. Et franchement, elle est vraiment stylée. Ah, dommage, ils ont éteint le feu, putain. Ouais, ah, ils ont juste fermé. Ouais, on se fait. Là, on se fait un petit plat là avant de, pour reprendre des forces avant demain. Avant la grosse journée de demain. Qu'est-ce que tu nous fais là, Thibaut? Des pâtes au curry. Des pâtes au curry, voilà. Voilà. Avec magie. Ouais. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Franchement, super stylé. J'essaierai de faire une vidéo le matin quand il y aura de la lumière. Mais là, on a des tables, on a des lits. On a les gas cookers qui sont juste derrière. Et we have also this fire. Hop là! Oh putain! Non, avec ça réchauffe! Avec le fromage, ça va le faire. Voilà, beau petit moment là dans la hutte. Ouais, on est bien là. On est bien, ouais. Posé. Avec avec des pâtes au piment. Un feu. Un beau feu derrière. Ouais. Ça va, ouais. Mais poivre, j'espère que ça sera pas pareil. Là, on vient de se réveiller pour le petit déjeuner. We just wake up for the breakfast. But look where we wake up, it's so crazy. Now we are trying to be ready and to just bring the food over there and start to eat. Donc voilà, là on est parti à Cascade Saddle. On est parti pour la dernière hut. Donc elle a 8-10 heures d'ici. Bon, je pense que ça va être 10 heures hein, parce que vu comment on est chargé. Là il est 8h35 du matin. Et du coup, on est parti pour 10 heures de hike. Ouh, ça va être cool, ça va être cool. Le paysage il est magnifique. Et donc voilà. We are going for 10 hours of a hike in dark hut. And so the name of the hike is Cascade Saddle, and the hut where we're gonna stop is Dart Hut, and it's like 10 hours hike. It's a lot, but it will be very, very nice, very amazing. So yeah, let's go. Voilà, on vient juste d'arriver, we just arrived to sorry. We just arrived to the Cascade Saddle. And look me this view. Yeah. Look me this amazing view, man. Ah, it's so nice. We gotta swim, have a good shower, and then keep going. We are in the middle of nowhere.
On est au milieu de nulle part là, franchement, là, c'est trop stylé. Là on vient de faire 2 heures de rando là, comment dire, avec un chemin raide comme ça. Et franchement, c'est pas facile. Et là quand tu vois l'eau là, t'es trop content. Alors qu'il fait, il fait pas froid, hein. Là, je veux dire il fait pas chaud. No, the weather is not very hot, but we are very hot because our bags are very heavy. And yeah, and be nice. On a mis à peine une heure, hein. Beautiful swim, but I think it's very cold because it's come from the mountains, yeah. Just on the top, like just here. Maybe a bit cold, yeah. Ouais, la, l'eau va être vraiment froide parce que on est vraiment juste en dessous de. Enfin, j'imagine qu'il y a peut-être quelques glaciers derrière. Mm. Ouais, so the weather has to be very, very cold. So let's go for a beautiful swim with Thibaut. He's already ready. Wow, it's really crazy, huh? It misses you. I can stay here all the day. Take my with coffee and cakes. Yeah. I think this hike is definitely one of the most beautiful hikes I've done in New Zealand. In my life, maybe. I think it's another level. It's far. Even Roy's Peak, I think, is. That's why I told you. Wow, it was alright, man. Yeah. He was right. It's something special. Ah, it's really special, man. It's so amazing. Poor. Hey, look at that. Poor, it's crazy, man. Just unbelievable. Unbelievable. Avec Thibaut à Cascade Saddle. Là on est en train de monter une. Là on est en train de faire une rando qui vraiment elle est abrupte, un truc de fou. On la monte avec les mains carrément, tellement qu'elle est haute. So we are doing a hike like with the hand and the feet, like we are climbing with the hand and the feet because it's very very steep. It's very like it's a big hill. You can see like behind me. You see? And the view is also amazing. How you feel Thibaut? Good. Yeah? Cold? Yeah, it's a bit cold. It starts to be windy here. Yeah, let's continue. Allez. Ouh là là. Wow! Woo. Look off, look off me what there is. Big mountain. It's a glacier, I think. Yeah. It's a fucking big glacier. Wow. Toutes les montagnes, elles sont immenses. Super grosses. Des gros glaciers en plus. Un petit peu.